Bonjour Éclaireur, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Voilà, en fait c'est juste un petit bonjour, un petit coucou et encore vous dire merci pour vraiment tout le travail que vous faites. Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois vos émissions, vraiment moi personnellement, vraiment vos émissions, souvent quand j'écoute vos émissions, au fait j'ai des larmes aux yeux au fait. Parce que quand nous étions encore jeunes à Abidjan, c'était l'ignorance, l'insouciance, et puis j'ai pu un peu dire que, comment on appelle, bon, voilà, je dirais l'ignorance, voilà, de la personne même, vis-à-vis de la personne du président. Mais vraiment, vraiment, vos émissions font que, vraiment, l'amour du président, l'amour que j'ai pour le président, vraiment est en train de grandir. Et comme je vous dis toujours, moi j'ai appris à aimer le président. Voilà. Vous voyez, comme nous étions tous jeunes, c'était le FPI avec tous ces blablabla, ils ont raconté à la jeunesse et tout ça. Ça faisait que le président, bon, personne ne l'aimait. Hein. Voilà. Donc vraiment, 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 je vous dis grand merci. Vous ouvrez nos yeux et vous nous permettez à nous, les jeunes, vraiment de pouvoir voir vraiment le travail que le président a avec toute son équipe autour de lui. Vraiment, grand merci à vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous le rende au centuple. Vous ouvrez nos yeux et moi-même, ça me permet, vous me permettez même d'encore plus aimer même mon pays et les réalisations et tous les pauvres, toutes ces prouesses que le président fait. Parce que la Côte d'Ivoire est mieux vendue à l'extérieur. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je travaille dans un hôpital. J'ai un ami colombien qui m'a dit, non, lui n'avait jamais entendu parler de la Côte d'Ivoire, mais il a regardé une vidéo de 5 minutes de la CAN. Et c'est vers la finale, c'était celui-là, c'est une vidéo de la finale qu'il a regardé, bien résumé 5 minutes. Et il a vu le président. Après ça, il s'est intéressé, il a commencé à regarder les vidéos YouTube et autres, des blogueurs ivoiriens, tout ça. Vraiment, et ce jeune colombien, il veut me suivre pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, ça me fait tellement plaisir. Et vraiment, vos émissions encore boostent même l'amour de la patrie. Vraiment, vous nous rendez encore plus patriotes, franchement. Sans vous flatter, sans vous lancer des fleurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était juste mon petit coucou. Et puis, juste vous dire ça. Vraiment, merci beaucoup, frère. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Bye bye. Merci aux frères qui viennent de nous confirmer que nos messages arrivent à apporter des changements dans sa vie. C'est aussi le cas des milliers de personnes. Nous vous disons merci de reconnaître d'abord le bienfait et le bien fondé de ces messages-là. Nous vous disons merci et nous nous en sommes plus que reconnaissants. Vraiment, il faudrait que les uns et les autres retiennent ceci. Nos messages n'ont qu'une seule portée. Nos messages sont des notes d'espoir pour tous. Même quand ils peuvent être durs, ces messages, dans le fond, c'est toujours une note d'espoir pour sauver des vies, pour permettre à l'humanité de vivre en paix et pour permettre à chaque être humain d'être digne et de pouvoir vaquer à ses occupations comme cela se devrait.